Ok. Je veux simplement profiter de ce moment pour accueillir les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc, donnez tout ce que vous avez et vous aurez une chance pour le prochain match. Bienvenue à tous. Amigo, c'est à toi maintenant. Ah, le changement. Et apparemment, c'est le petit nouveau qui va rentrer. Eh oui, toujours aussi attentif, Omar. Rien ne vous échappe. Non, mais c'est vrai. Pour ton premier match, tu es dans un état de stress. Et ton objectif, c'est juste un truc. Ne pas faire de bêtises. Eh oui, et c'est bien négocié, hein, parce qu'à ce prix-là, c'est plutôt une très bonne affaire. Goal ! Voilà ce but pour réduire l'écart, pour revenir dans cette rencontre. Impossible de lui prendre le ballon. Toute la défense s'y était mise. Regardez. Et puis finalement, le duel tourne à son avantage. But. Et peut-être le but pour revenir. Et non, c'est pas fini. Plus qu'un but pour revenir dans ce match. Et la folie qui s'empare peut-être des dernières secondes. Plus qu'un but d'écart maintenant au tableau d'affichage. Sur l'engagement, tout le monde va vouloir partir à l'attaque pour essayer d'égaliser dans la foulée. Tu crains rien cette fois, amigo. Enfin, nous y sommes. Ça fait un moment que la pression monte autour de ce match. Les deux équipes vont pouvoir enfin en découdre. On reste ensemble. Le coup d'envoi, c'est pour très bientôt. Bonjour à tous. Les conditions de jeu idéales sur la pelouse et même en dehors. Donc pour assister à un magnifique spectacle dans quelques secondes. C'est le coup d'envoi. Et pour vous faire vivre ce match, évidemment, il y a Omar Da Fonseca avec le but, toujours fidèle au poste. Alors qu'un but vient d'être marqué sur une autre pelouse. On va aller voir de quoi il s'agit précisément. Oui, c'est le premier but pour Metz. Et voilà, c'est le but pour faire la course en tête et pour terrasser l'adversaire. Surpuissant de le revoir sur ces images. Quelque part, on se dit que c'est mieux que le gardien ne se soit pas interposé. Il a pu conserver l'usage des mains. Ce match, ce type de rivalité, c'est l'essence même du foot.
n'attend plus qu'une chose maintenant, le coup d'envoi. Bonsoir à tous, la nuit est magnifique au-dessus de ce stade et les conditions seront parfaites pour jouer au foot. On a hâte que ça commence. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet. Pour vous commenter ce match, la Ligue de BKT est à l'honneur avec une rencontre de très bonne qualité à venir. Bonne circulation du ballon en attendant patiemment le décalage. Oh, c'est un bon ballon ça! Et c'est dedans! La réponse est vite venue! Quel scénario incroyable! À peine le but encaissé et c'est déjà l'égalisation! On le voit bien ici, c'est la balle qui court plus vite que les hommes. On construit sereinement en combinaison jusqu'au changement des rythmes. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. C'est peut-être le grand jour pour cette équipe, si tout va bien. La montée, c'est pour aujourd'hui. On n'a qu'une hâte maintenant, c'est que ça commence. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés pour commenter la team Dada, évidemment au grand complet, à ma droite ou à ma gauche, ça dépend, c'est l'Argentin préféré des Français, Omar Da Fonseca, et donc votre serviteur, Benjamin Da Silva. Si tout va bien, les supporters visiteurs pourront fêter la montée à la fin de ce match, et c'est une ambiance de grande fête, beaucoup d'émotions en prévision. Attention à cette bonne passe. Le but, quelle catastrophe! Les rêves de montée ne sont pas encore anéantis. Attention pour égaliser. Oh, le but qui change tout! C'est peut-être leur tournant dans cette compétition. Avec ce but, ils sont maintenant clairement candidats à la montée. On revoit ce but plein d'opportunisme. C'est tout un art d'être toujours au bon endroit, dans le bon moment. On revoit le but malheureux. Marquer des buts, c'est peut-être la chose la plus grande du monde, mais marquer contre son camp, c'est la pire. Tu es dans une détresse vraiment très grande. Maintenant, il faut relever la tête. La bonne intervention pour couper. Et voilà, le coup de sifflet final, c'est fait. Leur ticket pour accéder à l'étage supérieur est validé sur le terrain. C'est la folie. Le football qui provoque encore cette fusion avec cette consécration. Bravo à cette équipe. Cette affiche, c'est ce qu'on appelle un match à 6 points parce qu'une victoire sur le rival direct, c'est un grand pas réalisé vers la montée. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le coup d'envoi. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le voyez, la météo n'est pas terrible aujourd'hui et c'est plutôt parapluie. Ça bouge, et trop bon en alu. Je suis donc dans la cabine de commentateur, accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca. Tout de suite, le coup d'envoi du dernier match de la saison. Et l'affiche est belle, le match s'annonce sous les meilleurs auspices.
On sait depuis le dernier match, mais la montée la saison prochaine est mathématiquement assurée. La seule question qu'on peut se poser avant cette rencontre, c'est de savoir si cet événement va avoir un impact sur la qualité de leur jeu. C'est surtout pour le club que c'est un soulagement. Mais sur le terrain, rien ne va changer. Ce sera toujours le même football ambitieux, conquérant, généreux qu'on a vu toute la saison. Ah, bien placé pour une frappe, peut-être. Ah, très bonne défense là-dessus. Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite, c'est magique. Regardez, l'option de passer était ouverte, il n'a absolument rien sur le contact. Ensuite, je ne sais pas ce qui se passe, il se mélange les crayons. Difficile de trouver du positif dans ce match. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Et ce but vient renforcer leur statut de promu. Et oui, la montée est quasiment faite maintenant. Et dans les travées, c'est la folie. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir ou s'interposer. Et suite à ce but, ça fait 3-2 pour l'instant. Et il faut venir l'aider, attention. Et un ballon dans la profondeur. Et le but, voilà, c'est fait. Son deuxième but du match. Son doublé, il est intenable, insaisissable. On revoit cette passe dangereuse pour la défense adverse. C'est une passe millimétrée à la limite du hors-jeu. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. C'est la dernière minute. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Et c'est la montée à l'échelon supérieur sur le terrain. C'est évidemment un immense moment de bonheur. C'est la récompense d'une année, pas seulement par la gloire, mais par le défi d'accéder à l'étage supérieur. Et effectivement, la saison prochaine, c'est les défis de l'excellence, les summums de la crème. C'est l'aboutissement d'une très belle saison, une montée.